Ça tourne. Alors, voilà, tri-tri, pour les intimes, tri-dac, oui. Avec la tom-tom. Je vous présente ce magnifique silo, qui est un terrain de la... Mince, j'ai oublié les noms des orgas. Airsoft Unit. Alpha Unit. Alpha Unit, Unit. Voilà. Pareil, hein. Terrain... ô combien sympathique, avec un jeu au corps à corps très, très présent. Parce que... Pourquoi? Pour le petit ou comme quoi le corps à corps est présent? Le corps à corps est présent? Ouais, bah, pour là ta main gauche alors, parce que pour l'heure t'es célibant. Ouais, c'est ouais, mais j'ai alors là, c'est la zone où on rentre sur le terrain. D'ailleurs, cette rubalise, c'est le terrain. Faut faire gaffe parce que on peut se promener et se prendre des billes ici. Là, ici, vous avez le silo qui se passe sur 2, 3, ou je sais pas si on peut monter plus haut. Voilà, bah merci. Voilà, trois étages. Cette petite maison qui est aussi une maison de jeu. Et par ici, vous avez un couloir avec pas mal de petits bunkers, de petits, enfin, de petits murets qui forment des petites cages, des petites maisons. C'est très sympathique. Je sais pas trop si on pourrait aller faire le tour du terrain pour vous le filmer comme ça à nu. Mais je pense qu'il va se promener pendant la partie et on vous le montrera plus tard. Allez, ciao! Pas tiré. Bah voilà le cul. On attend les gars, ils ne savent pas quand vous arrivez donc. Hein? Ils ne savent pas. Mais bon pour vous, rien là-bas. Avancez de manière tactique, allez-y. Tactique!
Chacun ici. Faites gaffe, il y en a un qui passe par la série. Ça tourne. On la remet avant de partir en guerre. Allez, excuse-moi moi. C'est vachement bien avec toi. Par contre, fais gaffe à toi. Alors, ces rebelles se sont planqués au deuxième étage et tiennent en joue. Les forces du Red qui tentent de monter, mais en vain. Mon cher ami, quel est le secret pour défendre nos positions? Les angles morts. Les angles morts, c'est mieux. Oh, êtes-vous seul dans cette partie du bâtiment? Non. Cette partie du bâtiment est non. C'est un fusil à pompe avec une lunette. Ah, c'est une attaque. Qui fait un bruit très sympathique. Mon cher ami, expliquez-nous comment faites-vous pour prendre une position et la tenir aussi longtemps face à des forces du raid? C'est avec de l'entraînement. Beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement, ouais. La campus, ça nécessite beaucoup d'entraînement. C'est des années d'expérience. C'est waouh. Pour garder les genoux bien musclés toujours. Bien musclés, beaucoup de squats. Je conseille beaucoup de squats à la salle. C'est l'exercice principal pour pouvoir tenir la position comme je les tiens. Out. Je vais mettre en coin là. Out. Alors voici les soldats du raid qui s'apprêtent à rentrer dans le bâtiment. On se trouve une poignée de rebelles. Les loyalistes tentent de rentrer dans le bâtiment, mais pour le moment sans succès. Le raid se prépare à donner l'assaut d'ici quelques minutes. Et oui, Jamie, je me trouve avec un soldat rebelle. Il tient sa position depuis tout à l'heure, mais il semblerait que les forces du raid tentent un assaut massif sur la position, ce qui fait que nos amis les rebelles vont bientôt être en manque de munitions face à l'adversaire, à moins qu'ils aient une dizaine de chargeurs dans le sac, ce qui fait que ça. Exactement, Jamie, nous suit un vrai campeur. Du coup, la situation semble toujours autant bloquée pour les soldats du raid qui peinent à monter, malgré les tirs que vous entendez à côté. Ceci essaie tant bien que mal de monter et j'ai du mal à parler fort parce que le bruit m'empêche de bien faire comprendre.
Escalier. Mettez-vous de son côté. Le bouclier avance. Les forces du raid tentent de passer par le couloir avec un bouclier tactique par balle, évidemment. Par bille, évidemment. Nous sommes accompagnés de deux Black ainsi que de la TSA qui est armée d'un sabre et d'une chemise rouge qui s'apprête à charger son adversaire. Attendez. Les forces du raid préparent un assaut massif contre les rebelles. Les forces du raid se retrouvent face à un... Mais ils ont toujours un plan de secours. Les forces du raid s'aperçoivent que leur bouclier n'est pas très adapté à l'intérieur. La situation semble toujours aussi compliquée. Voilà maintenant 2 heures que les rebelles tiennent le bâtiment. Les piles de cadavres commencent à se faire sentir au niveau de l'escalier. Les équipes d'organisateurs tentent de déblayer tant bien que mal le passage, mais les forces du raid continuent à bloquer la situation. C'est ce qui s'appelle ne pas avoir de couilles dans le pantalon. Ça rime, putain, ça rime! On y va! Allez, on y va, les gars! Bon, avancez! Les gars, vous avez mis limité, hein! Ah, et voici Tridak et Genesis qui s'apprêtent à lancer un ultime assaut contre les forces rebelles présentes dans le bâtiment. Allez, on avance! Genesis! Vous êtes pas y aller? Oh, vas-y, on rentre! Notre but, c'est de défendre! Alors, nous, on les attend. C'est la meilleure stratégie. On est combien, là? On est encore combien? Allez, les filles, on monte! Eh oui, Jamy, je suis avec un soldat rebelle qui est en train de défendre l'escalier avec un pompe. Et comme vous pouvez le voir, la situation semble... Ah mince, le soldat rebelle s'est fait toucher. Jamy, je pense qu'on est plus très nombreux dans cette... Le mec, il est comme ça, ou quoi? Monte, putain. Génie, ça calibre sa réplique avant de donner l'assaut. Et ça y est, c'est l'assaut, mesdames et messieurs. Il commence à rentrer doucement, avec beaucoup de finesse, dans la cage d'escalier. Assaut. Avec le dernier soldat rebelle en vie dans le bâtiment, la tension est palpable. Les forces du raid s'apprêtent à donner un ultime assaut contre celui-ci. J'espère ne pas me prendre de bise pendant l'assaut. Bref, je vous laisse avec ces images. Ravi de vous avoir connu. Oh, les couilles. Oh là là, les forces. C'est un peu plus haut, mon ami. D'aussi près, t'es sérieux? Mon cher Croc, que pensez-vous de la situation actuelle dans les... Oh bah, heureusement qu'on a vie limitée, on se prendra une toilette sinon. Les forces, on n'aura jamais une grenade vient d'être lancée, mais je ne sais pas. Oh mon dieu, le dernier soldat rebelle est mort, Jamy, c'est incroyable, il vient de se vider de son sang. Mon dieu, regardez-le, il est par terre. Monsieur, qu'avez-vous à dire sur cette partie? Bien joué, les civils. Eh oui, Jamy, fin de partie, le raid a réussi son coup, a tué le dernier rebelle avec une... Ah, c'est là. Cher, ne pouvez-vous nous dire ce qui se trouve dans cette mallette? Eh ben, je pense que c'est l'argent de la PAF qui est dedans. Elle est gardée par les agents du... Ah ouais, on va la déloger, c'est... On va la déloger, ça c'est clair. Attends, je la récupère pour toi. Et ça y est, les forces rebelles se lancent à l'assaut. Allez les gars, allez, pour récupérer la mallette de la PAF. Avancez les gars, avancez. Alors laissez pas de terrain. Fouillez bien les endroits. Même ton équipe, tu tires.
Et oui, Jamy, les forces du raid tentent de garder le bâtiment. Même si monsieur ne sait pas parler français, je vais commenter pour lui. Apparemment, on peut tirer sur les alliés, mais ce n'est pas non plus... Faut courir vite. Il faut courir très vite, d'après... Faut courir vite. C'est tout. Mais quoi, elle est pas seule là. Je vais me faire straquer pour racisme, mon gars. Les forces rebelles qui tentent... On protège la porte de la maison. Exactement, ils tentent de... Non, parce qu'eux doivent amener la valise ici, et nous, on va la chercher. Alors, elle est favelas, nous, faut qu'on la ramène maison, et eux, faut qu'ils la ramènent ici. Et voilà, j'ai mis le soldat rebelle à tout expliquer. Je bouge maintenant. À plus tard, monsieur. Renate ! Out ! Out qui sort ! En qui peut... Comme vous pouvez voir, un sniper s'est posé ici pour pouvoir mieux viser les ennemis. Focus, Karen, focus. Ainsi qu'un autre joueur qui le protège des attaques qui pourraient venir de derrière nous. We're gonna get those fucking bastards. Les rebelles commencent à remettre l'assaut. Expliquez-nous comment vous allez procéder. Alors au début, on va leur couper les couilles, on va leur faire bouffer. Et après, ça c'est pour l'entrée, évidemment. Parce qu'après, on va leur faire bouffer leurs intestins. Et ensuite, on va les manger. Les rebelles sont sans pitié, Jamy, c'est ça qu'on aime voir. Tu vois, on veut la balette. La balette, elle va aller par là. Elle va garder par l'ordre. Hé, t'as là, tu l'as. On a la proche, on a la proche. On a la proche. Jérôme, tu peux abonner si tu veux. On sur la gauche. Force rebelle s'apprête à donner l'assaut sur le bâtiment. Là, il commence à préparer un plan pour attaquer. Nous allons voir ça de plus près. T'as dit quoi, Jérôme ? Il a la mallette ! Il a une chemise rouge qui a la mallette ! Les forces du raid nous empêchent d'avancer avec les rebelles. Nous sommes cloués sur place. Mon collègue ici présent est actuellement en train de se poser la question comment il va rentrer chez lui ce soir. Est-ce en train ou en cercueil? On le sait pas. Les forces du raid ont réussi à récupérer la mallette qu'ils vont devoir amener dans le bâtiment. Nous allons suivre cela de bout. Il est allez, droite, allez, dans la, juste là, là. Juste là. C'est bon. Parce qu'il fait chaud, c'est pour ça. Et la mallette, elle est où là? Regarde, à côté, il est pas là. Renate! Ouais. Ça, c'est rien, c'est une farce. C'est toi qui es au rez-de-chaussée en cuisine. Alors, t'as quel âge? Moi? Ouais. 14 ans.